une somme colossale qui ne plaît vraiment pas à tout le monde. Tandis que les Pays-Bas ont préparé le budget de l'État pour l'année 2021, ils ont rendu public un petit détail qui fait déjà beaucoup parler, la dotation royale que recevra la princesse Catharina Amalia après son 18e anniversaire le 7 décembre. Et celle-ci vient d'être fixée à 110,000 euros. Sur cette somme, 91,000 euros seront réservés aux frais de fonctionnement, notamment pour ses engagements royaux, tandis que 20,000 euros reviendront directement à la fille de Maxima des Pays-Bas et le roi Willem-Alexander, précise Point de Vue, en kiosque mercredi 30 septembre. De quoi exaspérer quelques députés, mais aussi, les Néerlandais, notamment au vu des difficultés économiques actuelles. Et surtout parce que la famille royale des Pays-Bas n'est pas la monarchie la plus en difficulté de l'Europe. Une princesse héritière encore très discrète et ce n'est pas tout, car si les 110,000 euros lui seront alloués au lendemain de son anniversaire, le changement de son statut engendré par sa majorité va aussi faire augmenter la note. En effet, la princesse Catharina Amalia devrait toucher ensuite une somme prévisionnelle de 282,000 euros et 1,305,000 euros pour les frais de fonctionnement liés à son statut. De quoi agacer les Néerlandais, qui au vu de la discrétion de la princesse ne parviennent pas à justifier une telle somme. En effet, depuis son enfance, la princesse n'est apparue qu'à de rares fois aux côtés de ses parents, notamment lors de la fête de la nation. Mais sortie de là, jamais la fille de Maxima des Pays-Bas n'a effectué un engagement officiel seule, ou même avec ses parents. Le roi Willem-Alexander aurait peut-être donc dû opter pour la même solution que le roi Philippe de Belgique, qui a décidé de ne faire la demande d'une dotation royale pour sa fille, la princesse héritière Elisabeth, que lorsque celle-ci aura terminé ses études et qu'elle entreprendra des obligations royales. On your